Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un nouveau jeu, que j'ai jamais fait sur la chaîne déjà, et puis un avantage de ce jeu déjà, c'est que il bouffe pas trop de RAM à mon PC, voilà, donc au moins mon PC il peut tourner bien tranquille, 30 FPS en 720p, donc le jeu c'est 60 secondes hein, à 9 euros sur Steam, je crois 9,99 sur Steam. Voilà, il est en 720p. Enfin, le jeu est en encore plus que ça. Je crois qu'il va jusqu'à 1960 fois je sais plus combien. Attends, on va regarder ça tout de suite. Qualité max graphique, ouais, 1920 fois 1080. Bon, ça dit pas les. Ouais, en plus il est au mat, donc ça dit pas les. Comment ça s'appelle? Voilà, alors. Normalement. Enfin, sauf si ça continue d'enregistrer, mais ça m'étonnerait. Vous n'aviez plus d'image ni de son normalement. Il risque d'avoir des petites coupures comme ça de temps en temps, c'est que vous auriez, comme là normalement, une pub Razer Cortex. C'est parce que le jeu des fois c'est comme s'il se déconnectait du PC pour se reconnecter. Enfin bref, c'est des trucs comme ça. Bon. Donc j'ai lancé une partie que je n'ai pas jouée. Enfin, j'ai fait deux parties à moi où j'ai joué. Une que j'ai joué pour tester. Une où c'est que j'ai testé OBS pour savoir si ça marchait, mais c'était de du caca. Voilà. Et une. Ça enregistre bien. Ouais, ça enregistre bien mon micro. Et une pour tester Razer Cortex. Mais sauf que la dernière où j'ai testé Razer Cortex, j'ai juste testé en lançant le jeu. J'ai pas testé une partie entière. Donc au final, j'ai fait deux parties. Donc on va rejoindre tout de suite. Je vais éviter de parler lors des coupures parce que sinon, ça va pas être génial. Si on m'entendra pas. Donc voilà. Allez, on commence tout de suite. Eh bien, voilà, donc c'est bon, normalement, il y aura plus de coupure à partir de maintenant. Donc, ça y est, donc, bien sûr, j'ai lancé en survie parce que, pour l'instant, la collecte, c'est pas trop mon fort. Voilà. Donc, bon, donc j'ai lancé directement en survie. On a les quatre membres de la famille, donc, Dolores, Ted, Mary Jane, Timmy. On a la hache, le fusil, le plan, ça va. La radio portable, la lampe de poche, le guide du jeune scout. On a combien de bouteilles? On en a 7, ça va. Soupe, on en a 6, ça va aussi. On a un insecticide, le masque à gaz, la trousse de secours et le cadenas. Donc, le jeu de dames. Mais bon, ça sert à rien. Alors, le but du jeu, c'est de survivre, soit le plus longtemps, après une explosion nucléaire pendant la guerre, d'après ce que j'ai bien compris. Et soit, il y a plusieurs fins. Enfin, je crois. Il y en a un avec des gens qui vont nous sauver ou je sais pas quoi. Mais ça, je me suis pas trop renseigné dessus. Et une... Oui, parce que c'est pas un, c'est une. Enfin, bref. Quand les militaires viennent nous sauver. Mais bon, pour ça, il faut le jeu de cartes qu'on n'a pas. On a la lampe. On a... Non, on n'a pas Timmy, on s'en fout de Timmy. On a la radio. Excusez-moi. Et la hache, donc c'est bon, donc on va commencer tout de suite. Est-ce que je lis? Non, je pense pas que je vais lire quand même, sauf les trucs importants, parce que là... Donc, premier jour, ils ont pas faim ni soif. Voilà. Alors lui, il va avoir la barbe qui va pousser en 2 secondes, regardez. Hop, ça fait déjà un jour qu'il est dans un bunker, ça y est, il a de la barbe. T'aurais dû amener ton rasoir, hein. Bref. Donc, jour 2, ils n'en ont pas besoin non plus. Demain, est-ce qu'on est... Non, ils iront pour jour 5. Dans un espace confiné comme celui-ci, on peut sentir littéralement tout. Quand une bride s'est détachée du mur, on était sur le point de vomir.
C'était à cause de la puanteur qui déversait du trou. Abomination. Abomination. Ok. Il faut examiner le problème et se débarrasser de la source. Bah oui, si tu reviens pas malade. C'est bon, aucun problème, pas de fatigue, pas de malade, qu'est-ce que tu regardes les mouches, toi? T'as soif, soif, soif et soif. Ok. Vous pouvez attendre jour 5. Ok, la fin des militaires, elle est finie. C'est mort. On n'aura pas la fin des militaires. Plus de radio, c'est mort. Pour à peine, vous mangez pas. En vidant notre seau en dehors, on a remarqué un plan du quartier croqué avec un bout de notre maison. Quelqu'un a dessiné un itinéraire qui aboutissait par un X. Par une croix, quoi. Serait-ce une carte au trésor? Est-ce qu'il faut chercher à destination? T'envoies Timmy. Timmy, c'est le plus nul. Il sert à rien. Voilà. Et ce con, il va partir avec le masque à gaz, hein. Non, mais attendez, le mec part en expédition alors. Ah non, épuisement. Ah, maladie, oui, c'est bien ce que je disais. Ouais, une bouteille d'eau, tu vas mourir, trop bien. Jour 4, ils en ont pas besoin. Ça, c'est pour jour 5. Et à matinée, on est très mal à l'aise, comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait. Sans aucun doute, quelque chose bougeait dans l'ombre. Si nous sommes pas les seuls êtres vivants dans ce bunker, il faut qu'on leur montre qui est le boss ici. Alors le boss, c'est moi. Alors, non, on va pas péter la hache, le fusil on s'en fout complètement. La hache on s'en fout pas. Ah, ils l'ont pas pété? Ok. Alors, jour 5. Eh! Non. Ok. C'est mieux comme ça? Merci. Alors, Mary Jane, tu y vas avec le masque à gaz et tu me reviens entière, hein, et t'amènes beaucoup de trucs, hein. Oui, le mec parle à un jeu vidéo. Mais on va dire que je suis en train de rec. Donc, ouais, on a 7 minutes de vidéo, on n'est que jour 6. Trop bien. Si on passe à jour 75, je sais pas combien il va avoir de temps de vidéo, hein. La poubelle est pleine de boîtes de soupe vide et ce godet dans le coin déborde. Il paraît que tous les deux attirent une faune étrange, des énormes insectes lumineux. Avant la guerre, les cafards n'étaient pas si grands que ça. Bah, si c'est des cafards, tu les butes. À moins que ce soit pas des cafards. C'est des cafards. Alors, jour 7. Pourquoi je sens qu'il y en a qui vont être malades? Non, c'est bon, non. Et vous ronflez quand vous dormez, hein, je l'entends. Jour 8, je vais essayer quand même. Ok. Soif, ok. Quand Timmy a retourné de sa dernière expédition, il avait l'air bien. Mais il s'est avéré qu'il avait blessé sa main avec une pièce de métal souillée et l'égratignure s'est infectée. Pas de chance pour l'auto-guérison. Il faut la panser. Ah bah, on coupe la main. On coupe la main. Vous êtes d'accord? On a cassé la hache, on a coupé la main. Il aura ses deux mains. Mais il est plus malade. C'est bien. On est jour 10 là, rassure-moi. On est jour 9. Ouais, mais c'est leur premier jour de déshydratation. Mais ils sont chiants, les gens dans ce bunker. Il y a plein de lapins, de machins. Il date des années combien, ce bunker? Tiens. Bah oui, jour 10. Vous inquiétez pas, c'est normal qu'elle est comme ça, hein, Mary Jane. Elle va revenir en fait, c'est juste qu'elle, vu qu'elle est pas là, bah comme ça. Normalement, elle va revenir avant jour 15, si lui a rien arrivé. Voilà, avant jour 15, donc jour 11, quoi. Ouais, merci. Regardez tout ce qu'elle me ramène. Regardez une valise. Moins un masque à gaz. Ok.
Alors, tu veux plus rien, t'attendras ton jour 15, hein. On est d'accord? Ou si elle a vraiment faim, je lui donnerai et je reprendrai pour 15. Ils veulent se laver avec des munitions, c'est comment? On a oublié de prendre le savon, y a-t-il un autre moyen? Alors, attendez, ils veulent se laver avec du savon, ils veulent se laver avec un masque à gaz, ils veulent se laver avec un insecticide, mais tu te laves pas, À moins que j'ai pas compris du tout la phrase. J'ai pas du tout compris la phrase. What? Ok, faut sauver Ted. On va tous leur donner à bouffe. Non, mais on ne voit pas d'expédition. Bon, bah au moins la partie sera courte. Hein? Voilà. Hein. Vas-y, de toute façon, t'es malade, donc que tu meurs ou que t'exploses ou que tu meurs ou que tu reviennes vivante. T'es revenue vivante. Voilà. Ça, c'est pour les militaires. Bah. Voilà, quoi. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on... Non, on fait pas d'expédition, non, non. Non, ils sont morts, là. Wow, ça empire rien, hein, monsieur. Allez-y. Ils ont entendu des cris depuis les tuyaux. Voilà ce qu'ils ont vu. Ok. Ted. C'est moi ou quand ils sont malades, ils ont jamais faim ni soif? Quelqu'un frappe comme si le ciel tombait sur la tête. Vas-y, ouvre. Je sais pas si on a entendu, j'ai donné un coup dans mon casque. Pour une fois que je donne pas un coup dans mon micro. On a ouvert la porte, mais personne n'était là. Ouais. Jour 18, tu peux attendre. Encore la radio, encore les militaires, quoi. Non mais ce jeu des fois, ce jeu soit vous avez de la chance en fait, soit il voilà. Hein, parce que ma toute première game j'ai quand même fait 75 jours et ma deuxième je crois 50 ou 60 je sais plus. Mais j'ai fait à peu près ça. Et là je vais te faire quoi? 30 jours. Juste parce que tu vois je suis en vidéo, ça va être publié et tout. Jour 19, non tu peux attendre. Ma Jane, je croyais qu'elle était morte. Comment ça se fait qu'elle a fait encore de la musique? Le jeu le moins logique du monde. Bon, les deux là, on va les faire crever. Hein. Pardon, on va les faire mourir. Parce que de toute façon, ils reviendront pas à la vie. Hein. Vas-y, va regarder ce qu'il y a dans la valise. Ça va t'exploser la figure. Attendez, attendez. Le mec, il y a sa femme qui est morte. Elle est là, là. Attends, Dolores. Dolores! Non! Dolores, tu m'entends? Et Teddy est là. Hein, oui, bonjour. Alors, j'ai ma canette de soupe, là. Non, ici, c'est une tablette. Bref.
Mais il va devenir fou, vous inquiétez pas. Il a tellement de ressources pour lui tout seul, je serais d'avis de lui donner tous les jours. Non, allez, on va garder, on va garder. Je vais lui donner tous les 2 jours. Voilà. Quand je vous avais dit qu'il allait devenir fou. En même temps, il a sa femme morte à côté de lui. Attends. Ted a perdu la raison. Mais je crois que t'as pas compris, monsieur le jeu. Tu vois, en fait, il y a sa femme qui est en squelette à côté. En fait, tout humain qui aime sa femme, bah, il est sans ça, quoi. Bah, on a des munitions supplémentaires. Elles étaient là sur le placard. Ok, les gars. Ouais, plus un jeu de cartes, trop bien, sauf que ça sert à rien si. Vas-y. Ah, son frère jumeau. Je crois que. Ouais. Je crois aussi. Mais je crois que ça peut être une fin aussi, ça, les jumeaux, je sais pas quoi. Dans 24, tu dois bouffer. Oui, je sais pas si on m'a entendu, j'avais la main devant ma bouche. J'ai dit jour 24, tu dois bouffer. Mais bon, on va dire tu dois manger. Alors, jour 25. Allez, on lui donne tous les jours. On lui donne tous les jours. De toute façon, il est fou, il va mourir. Bon, bah, pour une première game qui passe sur YouTube, c'était pas trop la joie. Hein, non, non, parce que là, sérieusement, bon, bah, voilà. Hein, vous vouliez découvrir de nouveaux jeux. Hein, je crois qu'il y avait une question pour la FAQ. Vas-tu faire des nouveaux jeux prochainement? Bah, voilà, vous en avez un et vous l'avez découvert. C'est un jeu où c'est t'as pas de chance, bah, t'es mort. Tous les jours, je veux dire. Maintenant, je vais tout sélectionner sans lire. De toute façon, c'est toi qui as ronflé comme ça. Je sais pas si vous avez entendu. Bah, je pense pas parce que j'ai le son du micro, mais le son du jeu est désactivé, donc. Normalement, vous devriez entendre le son du jeu maintenant. Enfin, j'espère. Enfin, j'espère, comme on le dit. Ah, il est malade. Okay. Pour les prochaines fois, je mettrai le son du jeu à partir du début. Comme ça, au moins. Par contre, est-ce que c'est pas peut-être un peu trop fort? Bon, faudrait que je fasse des tests, mais pour l'instant, je vais le mettre un, voilà, comme ça, un petit peu plus bas. Hop, alors, on va lui donner à boire et à manger. Tu peux partir le truc de mon écran là? Eh oh. Eh oh. Bon, ok, ça va me bouffer toute la place sur mon écran, mais c'est pas grave. Ah, c'est bon, il s'en va. J'ai eu peur. Bah, c'est Razor Cortez que vous voulez vu. Oui, j'ai pas lu, ça se trouve, il disait aller mourir et puis. Non? Ok. M'explique pourquoi j'entends la radio alors qu'elle est morte. Façon, il est malade, il va mourir. Désolé Ted, mais. Ouais. Eh, il a fait quoi avec le plan? Ça fait longtemps qu'il est pété ou c'est comment? Ah non, il vient de le faire. Ted ne attendez. Voilà, de jour en jour, Ted devient de plus en plus bizarre et pensif. Tout le monde, tout le matin, il a été plongé dans la lecture du journal, ou plutôt de ce qu'il prenait pour un journal, notre papier toilette. Ok, le mec lit le papier toilette. Il semblait le fasciner. De sorte, nous ne voulions pas perturber sa lecture.
Mais ensuite, il a inconsciemment saisi notre plan qui s'est plus bon à rien, qui n'est plus bon à rien, absolument rien. Toutefois, Ted ne s'en est pas trop soucié et quand nous avons essayé de faire comprendre la gravité de son acte et de lui arracher le papier toilette, il a juste grommelé qu'il pourrait nous le prêter une fois la lecture finie. Le mec, pas du tout fou, hein, non, non. Il est en parfait état, parfaite raison. Le mec, quoi, il lit le papier toilette. On lui prend le papier toilette. Je sais pas, pour aller aux toilettes ou je sais pas quoi. Et le gars, il dit, oh, t'inquiète, je te le prêtais quand j'aurais fini de lire. Je te le prêtais. Je te le prêterai. Ah, il est épuisé maintenant? Ou alors c'est la fatigue qui s'est mise. Ah, il a des blessures? J'ai même pas vu. Attendez. Ah ouais, blessure. Alors, en plein milieu de... Ah oui, c'est quelqu'un qui nous demande... Allez, on va lui donner de l'eau, on en a trop. On est gentil, de toute façon, on va mourir, alors... Genre... Genre... Moi je suis en mode allez on gaspille tout. Ah bah là, ok c'est bon. Jour 33, comment tu es? Jour 33 je vais pas te donner, je vais te donner à partir de jour 35. Non. Ok, je vais te donner tous les jours. Ouais j'aurais dû cliquer mais c'est pas grave, j'ai pas eu le temps. Dès que je vois la radio, je la prends en tout cas. Radio militaire, quoi. Alors, je sais pas si vous avez entendu. Normalement, oui, parce qu'il y a le son. Ouais, le son est assez fort. Mais la radio a reçu des signaux. Et ils viendront nous sauver. Ouais, si t'es pas mort avant. Ouais, sauve le masque à gaz, j'ai besoin de faire une expédition là. Jour 37, non, je ferai pas d'expédition. Ah, quoique, j'ai la... Ouais, mais j'ai pas le fusil. Ok. J'ai pas le fusil. Bah, on a de ça. Ouais, ils ont décidé d'aller voir la surface... surface pour un magasin, je sais pas quoi. Attendez, c'est moi, j'ai entendu un chien et après, quand j'ai regardé, il était malade. On a saisi la lampe de poste, on a décidé de confronter les pieurs. Quelle surprise, c'était un chien, le pauvre animal avait l'air trop fatigué, alors on l'a accueilli dans l'abri où il ronflait paisiblement toute la nuit. Le lendemain matin, on a ouvert la trappe pour faire sortir le chien. Il n'est pas encore rentré, mais peut-être il va nous rendre visite une autre fois. Et Ted est tombé malade parce que le chien, je pense qu'il était malade. Le chien, c'est... Je sais plus c'est quoi son nom. Mais on peut le soigner, je crois, pour la, un cadeau. Pourquoi c'est un cadeau? Ah. Ah, ok. Ah, ils ont trouvé une bouteille dans une valise abandonnée. Ok, ça aurait pu lui exploser à la figure. Moi qui ai même pas lu, tu vois. Ah, il est toujours dans un piteux état, lui. Est-ce qu'il est malade ou c'est juste la folie? Ouais, il est malade, ouais. Ouais. Bon, de toute façon, c'est mort pour lui. Allez, masque à gaz, va prendre les ressources. Ça peut. Pourquoi? On m'explique pourquoi j'ai entendu la voix de Dolores. Ok. Bon, il a pété le masque à gaz, mais il a ramené des ressources, je crois. Ouais, plus 2 et plus 2. Ok. On est jour 41, alors tu te calmes. On va te donner une fois tous les 3 jours. Si je respecte ça. Une fois tous les 3 jours. Donc, c'est-à-dire, on est le 41, on lui donne le 43. 43, 46, etc. Ok. Donc, 43.
Ouais, vas-y, donne à manger au petit chien. Ah ouais, mais de toute façon, j'ai pas le kit de soins pour le soigner quand il va venir, donc c'est bon. Ah voilà, Pancake. Voilà, c'est ça son nom. Ouais, t'es sûr qu'il va revenir, mais tu pourras pas le sauver, quoi. J'ai pas le kit de soins. Est-ce qu'il est revenu? Bah oui, t'as pété le plan. Pourquoi une bouteille d'eau en moins? Ok, il y a un cafard qui a pris les ressources et Ted il est en mode ah, tu vois, monsieur cafard là, ben t'es mon meilleur ami, tu vois. Je vais te faire des blagues et tout, on va rire ensemble. Pendant que le cafard était en train de boire toutes les bouteilles, tu vois. Et ensuite, le cafard est parti, il a dit mais pourquoi tu t'en vas? Non, en fait, ça s'est pas passé comme ça, mais ça s'est passé en résumé comme ça. Ben, merci pour le masque à gaz. Oui, je sais, j'ai pas du tout respecté mon truc des 3 jours, mais c'est pas grave. De toute façon, il est mort. S'il meurt pas, je sais pas ce qu'il faut. On est genre le 46. Alors voilà. Bon, maintenant je vais donner jour 49. Je vais essayer. Promis. Promis, promis, promis. Parce que je crois qu'on a plus de soupe. Ouais, je vais donner jour 49. Au moins, je puisse tenir 50 jours. Oui. Ah, il parlait à soi-même. À lui-même. Eh ben, parle à la radio. Sans... Il va la péter. Non, ok. Bon, je pense pas qu'on va survivre 50 jours, hein, moi, je vous le dis. Ouais. Non, ça m'étonnerait. Sérieusement, ça m'étonnerait. Parce que... Ah, quoi... Quoique... Ben... 49... Non, tu manipules pas la radio. Non, c'est pas manipuler, genre il va la manipuler pour qu'elle fasse quelque chose. C'est 50 jours pile. En fait, il allait la péter en essayant de régler les trucs et tout. 50 jours pile. Bon bah... Aux blessures, quoi. Même pas à la maladie, en fait, aux blessures, quoi. Ouais, bon bah... On a quand même survécu 50 jours, mais bon. On a survécu 30 jours, je crois, avec que Ted. Parce que je crois que jour 20, on était déjà dans la merde, en fait. Ouais, donc, bah c'est... On a quand même bien repris, même si... À la fin, j'ai été en mode rien à faire, j'ai tout mis... Parce que de toute façon... Enfin, j'aurais rien pu faire, quoi. Vous avez vu la malchance que j'avais, quoi. Ah, donc... Donc, en fait, ils sont tombés tous les trois, tous les quatre malades en même temps. Vu que Mary Jane, je crois qu'il y avait déjà un problème ou je sais pas quoi, bah elle est morte. Donc, au final, ils étaient que trois malades. Mais voilà. Enfin, voilà. Bon, bah, normalement, il va y avoir encore une petite coupure quand je vais appuyer là. Donc, attention à la coupure. Alors, c'est bon. Donc, vous avez plus de coupure. Vous n'avez pas vu l'écran de fin qui disait vous n'avez pas survécu. À moins que vous l'ayez vu une fraction de seconde, quoi. Parce que le truc qui est apparu, ça commençait déjà à disparaître. Et donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à plus, les amis. Allez. A plus.